que ces parois extérieures-là commencent à avoir autour de moi. Je ne sais pas. C'est ce que le policier a dit. Ils m'ont trouvé mort. Non, c'est impossible. Ils sont sûrement fait une erreur. Je ne sais pas. Comment est-ce possible? J'en ai pas compris. Je ne sais pas. Hé, Aras, devine ce qui s'est passé, Yasson. Ça a été une vraie bataille rangée. Chez Diogène, Ferdin a fiché le bazar. T'aurais dû voir ça. Maintenant, surtout, je m'assieds. Cobra, bienvenue. Merci. Cobra, tu sais vraiment qui se cache? Non, je suis là. Je reconnais que ça t'a pas. C'est vrai que j'ai bien. Cobra, dis-moi, comment se porte ta maman? C'est pas le moment de l'imbécilité. Tu connais la raison de la fiducie. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Il s'agit de ce roi. Tu sais que c'est mon fiducie. Alors pourquoi tu l'as marié à un autre? Pour quelle raison? Laura, je ne t'ai jamais promis cela. J'avais juste une bonne intuition pour vous. Mais cela est assez grand pour choisir son conjoint. Ou au pire, m'y opposer. Propose-toi. Tu sais que je ne peux pas forcer cela à dire. D'ailleurs, on a déjà fait ce choix. Sauver mon corneille. Et en tant que père, tu sais qu'elle ne peut pas faire de bons choix. Donc tu dois l'orienter dans le bon sens. Et lui, qu'est-ce que vous pensez les gens quand ils vont réaliser que t'es pas un homme de parole? Hey, je permets à quiconque de me dicter mon rôle de père. Là, tu deviens impertinent. Mais qui peut parler comme ça? Là, sache une chose. Soda, choisis l'homme qu'elle aime. Je suis son responsable. C'est ça, un responsable? Qui laisse sa fille décider à sa place. Et tu penses que la famille va permettre qu'il y ait un tel affront sans même réagir? Tout le monde va te juger. Alors tu ferais bien t'y penser. Maman, tu as entendu? Il vient chez moi pour ma fille. Appelle-le pour Marla, il m'a appelé. Il est passé, il parle de moi. Il arrive. Ah, ce garçon a bien raison. La vérité, c'est mal. Il vient s'y faire. Il vient s'y faire voler. Lui, il a fait partie. Non, non, non. Il a pris la dernière fois. Et tu vas le priver de ta fille. Pour la donner à un inconnu. D'ailleurs, je ne veux même pas citer son nom. Tu n'as même pas le droit de le trahir comme ça. Tu es un homme responsable. On ne peut pas humilier toute une famille de cette façon. Désolé, mais il a raison, malheureusement. Chérie, dans ce cas, je fais quoi? S'il te plaît, dis-moi. Tu avais droit sur ta fille, et on est d'accord sur ça, que ce garçon de bonne famille est bien l'homme qu'il faut pour notre fille. Dans tous les cas, tu as le dernier mot. Mais réfléchis bien à ce que je viens de te dire, car on risque de tout perdre. Tu risques de regretter d'avoir trahi quelqu'un dans ta famille. Tant pis. Merci. Allez, aide-moi. Dieu te le rend. Machallah, Dieu récompense tes intentions. Je le fais avec plaisir. Mais tu sais, c'est toi qui mérites. Qui prends bien ce que j'ai. J'espère quand il veut se plier, c'est le beau. J'espère quand il soit bien, c'est le beau. Accouchez les enfants, t'es pas quoi? J'espère que quand je sois bien, c'est le beau. Oui, oui. Bien sûr. D'accord. Quand est-ce que je pourrais avoir la carte de l'honneur?
Pour la carte d'honneur, tu l'auras après le deuxième don. Je t'explique. Lorsqu'il s'agit d'un homme, elle doit revenir au bout de 3 mois. Et lorsqu'il s'agit d'une femme, elle doit revenir au bout de 4 mois. C'est pourquoi? T'en fais pas, c'est juste un nom. C'est pas possible.